Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farm Together les amis, et j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui, petit élément sympathique qu'on va faire, c'est qu'on va faire beaucoup de décorations. On va s'occuper de faire quelques quêtes aussi pour un peu avancer. Le problème c'est que de plus en plus les quêtes sont complexes à faire, donc on perd aussi plus de temps. Bon, ça c'est qu'une partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par mettre des éléments de poisson ici. Et on va mettre un nouveau sol, les amis. On va un peu essayer de changer pavé carré. Où est-ce que je garde sur une belle petite note comme ceci? Ici. Oh, on va essayer de garder cette petite note sympathique ici. Comme ceci. Hop. Parfait. Là, et en gros, est-ce que j'arrive à remettre de l'autre côté encore des éléments de poisson? Oui, j'arrive à remettre encore des trucs de poisson. Ok, bon, on aura des deux côtés. On va un peu dépenser quelques diamants aujourd'hui. Mais comme je vous le rappelle, donc l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Parce qu'on parle des diamants. Je crois que c'est le dernier épisode, je suis pas sûr maintenant. J'ai un doute, mais en gros, on parle pas mal de diamants. Bon, ça nous fait quoi comme élément de stockage? Ça nous fait quand même 3100 poissons stockés dans l'inventaire. Si je reste comme ça, ce qu'on va faire, on va mettre un petit mur ici pour que ce soit joli. Ici aussi. Et ici, on va totalement fermer. Parfait. Alors, comme ça donne un look un petit peu mieux. De plus, on va mettre des petits lampadaires pour la nuit pour que ce soit un peu plus joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lampadaire? Est-ce que je mettrais ceci? Alors, on va essayer de faire un truc assez sympa. Voilà, on va faire toujours que ce soit entre les éléments. Parfait. Comme ça donnera un petit style aussi. Voilà, comme ça on a de l'éclairage si jamais on vient par ici. Bon, ça c'est déjà une des premières choses qu'on va faire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est redécorer un peu toute la zone d'arrivée, en gros, d'avoir un peu des éléments supplémentaires qui nous permettra en gros d'être un peu mieux accueillis, surtout si vous venez visiter. Donc, on va commencer par, avant d'attaquer tout ça, on va voir quelques petites choses que j'ai faites. Donc, vous m'en direz, voilà ce que j'aimerais faire comme déco. Donc, avec des petits pots de fleurs comme ceci. Un peu tout le long. Peut-être changer, mettre toujours deux différents. Faire alterner. Et ce que j'ai commencé à faire, vous pouvez le voir ici, c'est que ici c'est prêt. J'ai les arroseurs. Ici aussi. Ici aussi, donc ça nous fait déjà trois parcelles de fleurs. Ici aussi, on est arrosé. Ici aussi, je crois que j'en suis ici pour les arroseurs. Donc, j'ai commencé gentiment à mettre les arroseurs. De plus, j'essaie de classer donc les fleurs par pas par rareté, mais par élément. Ça veut dire que par exemple là, ce que je vais faire depuis cette zone ici, ceux-ci, je vais les enlever et je vais les remplacer par des tulipes. Je vais faire toute la lignée des tulipes qui prennent 2 jours, mais qui rapportent, les amis, mais une quantité d'argent astronomique et qui fait toujours du bien. Ok, donc on a 24 000 diamants, pardon. Prochaine extension, si je me trompe pas, c'est environ 19 000, je crois. 15 000. Ok, c'est 15 000, il me semblait que c'était 19 000. Mais il faudrait. Je pourrais ramasser ceci si jamais j'en ai vraiment besoin. Mais on va essayer de les garder parce que j'aimerais en fin d'épisode que l'on fasse. Non, pas ici, c'est ici dans la carte. J'aimerais agrandir en gros la zone des animaux pour que je puisse continuer d'ajouter ces fameux petits animaux parce que en gros je commence à être de plus en plus dépendant de eux. En fait, ça me prend tellement de temps de les farmer.
Je suis en train de regarder quelque chose, de voir si on n'y a pas moyen de gagner du temps. Alors, avec les aides fermiers, c'est sûr qu'on gagne du temps, ça, j'en doute clairement pas. Mais je suis en train de regarder pour faire de nouveau une grande dépense de petits rubans qui me permettrait de mettre en gros des... comment ils ont appelé ça pour donner le nom exact, qui ici, c'est mettre des... Alors, attendez, 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 voilà. Des mangeoires, voilà. Mettre des mangeoires, en fait, mettre toujours 6 mangeoires par animaux, ça me permettrait peut-être de gagner en efficacité de travail, parce que là, il me semble que j'attends, je suis tout le temps en train d'attendre. De plus, vous voyez qu'il me faut ici les vaches qui sont juste ici, mais ça met tellement de temps à être farmé que... Et ça prend... La bouffe part tellement vite que il me semble que je passe 10 fois à chaque fois que je joue sur la partie pour alimenter ces vaches. Donc je vais essayer de trouver une solution pour qu'on soit beaucoup plus efficace avec les animaux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on revienne, à chaque fois je suis sûr d'avoir les éléments qui soient prêts à être, que je puisse les récolter. Pour revenir sur l'événement de la semaine passée, donc on était à l'anniversaire de Farm Together. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de terminer toutes les quêtes, donc je n'ai pas eu la dernière quête. J'aurais dû encore planter 400 bougies. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est là, j'aurais fait 2400 bougies avec celles que je suis en train de ramasser. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer, donc il nous manque le dernier élément à récolter. Ce n'est pas très grave. Dans 7 jours, donc sûrement prochain épisode, nous serons de nouveau dans un événement. Donc vous verrez que on en reparlera et j'essaierai cette fois-ci d'avoir tous les éléments, car ce serait quand même assez chouette. Donc là, je récupère simplement, ça me permet d'avoir les diamants en plus, hein, tout bêtement. De plus, donc j'ai fait ça depuis le dernier épisode. J'ai récolté, j'ai ouvert pas mal de passerelles, de terrain. On va y arriver. Bon, je finirai de ramasser après. On va les ramasser autre chose en attendant. J'ai aussi terminé. Donc, nous avons tous les poissons. Cette fois-ci, j'ai tous les poissons du jeu. Donc, il n'y en a pas un qui me manque, à moins que lors de certains événements, on gagne des poissons. Je les ai tous positionnés comme ça. Si on nous demande du poisson, on est sûr de les avoir et on pourra aller les récolter bien sûr rapidement. On va juste ramasser les choux, ça nous permettra de continuer une avancée sur les missions. En gros, il nous manque beaucoup d'éléments du style arbres, animaux. Ce genre de choses, il me manque pas mal d'éléments. Est-ce que dans les arbres, vous voyez, il me manque nectarine, nectarinier, pardon. Donc c'est les nectarines, je ne les ai pas. Donc par exemple ici, hop, nectarinier, hop, on va aller ici. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore été planté. Vous voyez? Non, mais je veux garder ceci. Donc on va vite planter ces petits arbres, comme ça sera fait. Je sais, mais j'ai même pas regardé à quelle date, à quelle saison je pouvais les récolter. Ce n'est pas grave, on s'en fiche un peu. On checkera. Je pense que c'est plutôt. Ça doit être. Les nectarines. Ah, je dirais. Comme ça, à vue d'œil. Automne-hiver. On va regarder. Ah bah non, automne. Alors, printemps. Été, automne. Bon, ça va, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les récolter tout prochainement pour que ça avance. Donc, ça c'est bien, on va pouvoir faire de l'avance. Donc, j'essaie d'avoir à peu près tous les arbres qui soient plantés. J'ai pas du tout, on n'a pas fait beaucoup de décor pour l'instant ici, à ce niveau-là. Ça viendra avec le temps, on le fera. On va essayer de rajouter aussi un peu des stations d'essence parce que pour un peu être plus autonome, parce que je dois souvent revenir tout le temps à la même place. Aussi rajouter des points
d'avance, de déplacement rapide, puisque ça commence à devenir assez grand la zone. Donc il faut qu'on puisse se déplacer rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de récolter mes petits diamants là qu'on va utiliser rapidement pour faire de la décoration. On va déplacer, on va aussi agrandir certains éléments. On m'a fait la remarque que ma ferme était une usine que quelque chose de joli. Et je l'avoue, c'est vrai que ça ressemble plus à une usine qu'autre chose. Ce n'est pas grave, le but est au début d'avoir une bonne usine de fabrication afin qu'on puisse avoir plein de diamants. Vous voyez que maintenant j'ai plein de diamants, ça me permettra de faire quelque chose de réellement joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer déjà par tout simplement déplacer toutes les petites choses qui sont ici au bord. Malheureusement, il faut qu'on les décale impérativement pour qu'on puisse terminer en gros la zone des fruits, en gros des fleurs, pardon, car je suis pas sur un nombre que je divisible par 3 en longueur. Donc j'aimerais bien pouvoir terminer ceci. Alors, tac tac tac. Donc là, si je suis divisible par 3. Alors attendez. On va les compter un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, c'est pas divisible par 3, il faut au minimum 21. Donc, il faut qu'on rajoute encore une zone. Donc, ceci, ça ne joue pas du tout. Il faudra aussi les décaler. Hop, on va directement tout décaler, on va tout déplacer, on va faire quelque chose de propre. Alors, hop, on va mettre ça ici. Je vais mettre ça n'importe comment. Aujourd'hui, c'est plutôt style décoration, mise des éléments ailleurs pour que ce soit un peu plus agréable à travailler. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez la décoration. Hop, alors attendez, hop, 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 hop. On va faire comme ceci, on va tout mettre ici. En attendant qu'on travaille. On déplacera après, on redéplacera les choses après. Mais dites-moi dans les commentaires si vous kiffez la déco que j'ai déjà fait. Déjà à quoi ça ressemble. Ah, c'est vraiment lent ce tracteur quand vous êtes hors des éléments. Donc ici par exemple, j'aimerais déplacer ceci. J'aimerais que ceci foute le camp donc et qu'on aille le mettre ailleurs et remplacer par tous les éléments de T. Le thé qui va nous rapporter énormément de petits diamants du fait que en plus c'est des je crois que c'est épices donc c'est des épices que on peut revendre, on reçoit 100 diamants en plus donc c'est pas dégueulasse. Donc ce que je vais faire, on va faire comme ça les amis pour que on fasse un peu quelque chose sur cet épisode. Je vais refaire la petite déco ici au bout et dès que c'est fait on se retrouve pour voir le résultat et faire un peu la suite. Ok les amis, donc là c'est terminé, j'ai refait le petit chemin. Alors je vais pas mettre les plantes, ce n'est pas grave si je ne remets pas les plantes ici. Par contre, j'ai fait ce côté et là on va commencer maintenant à déplacer un peu les choses. Et j'ai fait de ce côté, comme ça vous allez voir à quoi va ressembler la suite. Donc ici bien sûr je vais mettre des petits éléments comme ceci tout le long hein, pour relier les chemins pour qu'on puisse aller jusque de l'autre côté. Ça c'est important. Voilà. Donc on fera quelque chose comme ceci et on fera la même chose sur toutes les allées. On va garder les petits rondins de bois pour définir les zones en gros où il y a de l'activité
d'agriculture, on va dire ça comme ça. Voilà. Et on fera aussi, pour que ce soit assez joli, on va mettre aussi le mur ici au milieu. Je vais essayer de faire une petite démo pour qu'on voie à quoi ça va ressembler. Donc on va toujours séparer les champs en deux. Je les veux toujours comme si c'était que du 3 par 3. Et comme ça donne un air assez propre. Et ça donne un peu, ça fait un peu moins l'air d'être une usine à éléments. Donc faire aussi de ce côté, hein, tac les murs, faire les entrées, faut tout faire. Mais je le ferai hors caméra. Ça c'est juste pour que vous ayez en gros un aperçu de quoi, à quoi ça va ressembler. Peut-être déjà juste la prochaine fois. Donc ça pourrait, je pourrais bien m'amuser à faire ça. Jusqu'à la semaine prochaine, les amis, pour que on ait quelque chose qui soit vraiment propre selon les demandes, bien sûr, des missions. Parce que si j'ai des grosses missions qui demandent des nouveaux éléments, je serai obligé d'acheter de nouvelles zones de terrain. Et en prenant des nouvelles zones de terrain, il me sera totalement impossible, bien sûr, de faire de la déco, puisque la déco utilise quand même pas mal de diamants. Bon, après, on n'est pas à plaindre non plus. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est, les amis, c'est par exemple de dire, ok, bon, ici le poisson, c'est bien, on en a un, c'est pas ça que je voulais faire, mais réellement, il m'intéresse plus du tout, je ne l'utilise plus. Les fruits non plus, oui, je pourrais m'amuser à les déplacer, j'ai pas envie de devoir courir pour les déplacer. Par contre, ces deux sont les éléments de fruits et légumes. Donc, ceux-ci, on va les déplacer. On va faire comme les autres. Ça veut dire que entre chaque élément, on va déposer un élément de stockage et de vente. Après, je dirais que pour moi, c'est plus de la décoration à ce niveau-là que que réellement de la vente, puisque okay, bon, c'est pas grave, il est dans un autre sens que les autres, mais on s'en fiche. Voilà, et on va le mettre partout. Déjà, dites-vous une chose, ça fait de la déco. Moi, je trouve que ça rend toujours super bien ces éléments, mais de plus, ça vous donne toujours du stockage en plus, donc c'est toujours vachement intéressant. Ah ben là, j'en ai encore deux, malheureusement, je vais les vendre, c'est pas grave, j'avais pas vu que ils étaient encore là. La même chose pour ceci. On va. Oh bah c'est pas grave. J'ai fait une bêtise. C'est pas ça que je voulais faire. On va les positionner afin que ce soit comme décoration. Donc on va faire comme de l'autre côté. En gros, je fais vraiment à l'identique et j'essaye. Alors mon but n'est pas de faire quelque chose qui soit symétrique parfait, mais j'aime bien, déjà un, ça nous permet d'avoir du stockage, ça fait, je trouve, une belle petite décoration de nouveau. Surtout que on pense pas forcément toujours à les vendre. Et de plus, je dirais que de plus en plus on a besoin des éléments, par exemple pour faire améliorer des maisons, faire améliorer des bâtiments. Alors, on va prendre l'exemple ici de l'entrepôt. Il me faut maintenant 44 de blé et 1005 de diamants. Mais on va droit l'améliorer. Donc je suis niveau 5 maintenant avec celui-ci. Prochaine étape, ce sera 60 cacahuètes. Donc vous voyez que ça devient intéressant d'avoir des grands stockages, parce que là on est niveau 5. Vous vous rendez compte que qu'est-ce que ce sera le jour où on atteint du côté des 100 niveaux. Qui sera ouais, au 99e niveau, qu'est-ce que ça va être? Ben, je me fais du souci de me dire que ça peut être peut-être 10 000 de fleurs, par exemple, et je sais pas, 1 million, voire 2 millions de diamants à donner pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc, je préfère vraiment mettre ces petites choses qui permettent de simplement donner un aspect un peu chaleureux à la chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si je mets ça ici, non, malheureusement, ça se connecte pas. Alors, je vais supprimer.
On va prendre ceci et on va demander de supprimer tout ce qui est asphalte. On va pas les connecter puisque ça se met pas ensemble, c'est bien dommage. Alors, nous sommes au printemps, ça veut dire qu'on pourrait aller chercher certains éléments qu'on a plantés juste avant. J'aimerais vraiment aller les chercher. Le but, c'est de faire un peu des missions, d'avancer un peu dans les missions aussi. Donc, hop, on va en profiter. Et de plus, on a aussi les. Ben, c'est parfait, on va pouvoir terminer une de nos missions. Ok, donc ici, combien me rapporte? 103. Là, on a augmenté de niveau. 105. Ok, donc. Ah, bah c'est bien parce que j'ai deux missions en gros qui demandent les nectariniers. Donc, c'est parfait. Et normalement, je devrais même pouvoir la terminer si j'ai un peu de chance. Ah non, si j'ai 60. Non, ça sera pas possible de terminer. On pourra terminer dès la prochaine saison. Ce n'est pas grave. Hop, et on va directement se déplacer au niveau de nos petits cochons de l'Andras pour en récupérer 30. Parfait, et on a terminé une mission. On va faire vite les hibiscus rouges parce que ça va assez vite pour le faire. En plus, 70, j'en ai déjà 70 puisque j'en ai à peu près 120. J'ai à peu près 120 éléments de chaque, donc c'est ce qui est assez bien, c'est que je sais tout de suite si je pourrais finir ou non les missions. Les missions qui ont des arbres sont les missions qui sont réellement les plus rapides, puisque les missions où nous avons des arbres, cela veut dire que. C'est ceci? Non, c'est les prochaines. Ça veut dire que. En gros, toutes les saisons passent tellement vite que c'est assez simple à effectuer. Les poulets de New Sphere. Hansphere. Hansfire. Hans. Ok, et les poulets, c'est lesquels? C'est ceux-ci? Ah, dites-moi que j'en ai 50, je crois pas que j'en aurai 50. 18. Ah si, j'en aurai 50, c'est parfait. Même un peu plus que 50. Après, c'est pas l'émission qui me rapporte le plus de gains. Ah, ok, bon, j'aurai les poireaux, les roses. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Souvent, c'est des petites choses qui prennent trois fois pas. Ouais, tellement peu de temps à faire. Mais qui vous rapportent quelques petits rubans supplémentaires qui met toujours un bien fou lorsque vous voulez les arroser. Comme maintenant, j'arrose ici des éléments qui durent qu'une heure. Mais dites-vous que ben, les éléments d'une heure permettent pas mal de choses. Par contre, alors ça, les petites lumières sont assez embêtantes car on se croche facilement dedans. Bon, ce n'est pas grave. Alors bon, les poireaux, est-ce que j'aurais pu les. Ouf, ouais, j'ai le blé. Donc les poireaux, je ne peux malheureusement pas les planter encore maintenant. Donc c'est pour ça qu'on va continuer de faire de la décoration, les amis. Alors, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Donc on va déjà commencer par on va aller au fond. On va commencer par le fond, donc on va commencer par ici. On va essayer de faire des sortes d'allées avec tous les éléments qu'il va y avoir. Alors déjà, j'aimerais qu'on change de style de route. Donc j'aime bien ce style. J'aime beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le milieu ici. C'est bien parce que ça se connecte. Donc on va prendre ce milieu et on va refaire comme une sorte d'allée supplémentaire. Voilà. Donc on va faire un petit exemple ici pour qu'on ait une idée, voir déjà si ça rend bien. On va faire la même chose de l'autre côté et là au milieu on y mettra du comme ceci, comme ceci. On va y mettre des éléments de construction. Alors, ouais, ça fait notre petit élément. Comme ceci. On va partir de l'autre côté aussi. Voilà.
Ok. Alors maintenant, on va essayer de mettre des petites boutiques. Donc, j'aimerais commencer par exemple par la boutique de vente d'épicerie fruits secs. Voilà. Par exemple, on va commencer par ceci. Donc, j'arrive à en mettre un, deux. Là, j'arriverai à en mettre un. Ok, parfait. On arrive à en mettre 5. Et si je fais une ligne ici, je pourrais mettre le suivant juste à côté. Parfait. Ok, donc là, comme ceci. Parfait. Et là, ça nous fait déjà notre petit élément. Plus, on va essayer de mettre des barrières. On va mettre des barrières qui sont assez jolies. Bon, ça fait. Non, j'aime pas trop. Ça fait un peu trop coloré. Qu'est-ce qu'il y aurait comme barrière qui pourrait être sympa? Celle en bois me plaisent pas mal. Je crois que celle-ci, je ne les ai pas mises. Celle-ci, c'est sûr que je ne les ai pas mises. Donc, je vais mettre celle-ci. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, quand on achètera une parcelle supplémentaire, on profitera de mettre ceci en place afin que ce soit bien sûr plus normal. Ben, on ne veut pas un trou. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas faire autrement que de laisser le trou. De plus, ici, on va faire comme ceci. On va faire un petit exemple, voir si ça va bien. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez beaucoup la décoration qu'on est en train de faire. Hop. Non, je voulais pas la mettre là. Alors, enlève-moi. Voilà. Alors, je vais reprendre la petite barrière qu'on est en train de poser. Voilà. Parfait. Et là au milieu, je veux qu'on mette des plantes. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme élément à mettre? Donc on a des bacs comme ceci. Je pense qu'on va essayer de mettre ceci. On va faire des grands bacs comme ceci. Et on va y mettre différentes choses. On va essayer de plutôt y mettre des fleurs. Ici on va y mettre. Je vais essayer de mettre toujours que des fleurs. Mais un peu de tous les types. Pour que ça donne un élément assez sympa. Voilà, j'aimerais faire des trucs un peu comme ça. Refaire par exemple, ben, on va faire la suite. Par exemple, prendre un autre bâtiment. Qu'est-ce que je n'aurai pas qui va pouvoir être juste à côté? Du genre, si je prends ben, par exemple le lait, ou j'aimerais mettre d'abord autre chose. Non, je crois que je vais mettre le lait, ça coûte, c'est ce qui coûte le moins cher. Ou bien par exemple, on va mettre les œufs. Tenez, on va mettre les œufs. Donc, hop, on va mettre donc au total 10 éléments de vente de 2. Hein. Déjà, ça vous permet d'avoir. On fait surtout ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des grands stocks. Il hein. Faut qu'on soit d'accord. Ça nous permet d'avoir des immenses stocks de nourriture. Donc c'est toujours intéressant, même quand on va faire là notre petit hangar qui va bien nous rapporter aussi, qui va être très utile, ça c'est sûr qu'on va pouvoir augmenter, mais voilà. Ah, ce qui est con. Attendez voir. Ah non, 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 c'est parfait. Attendez voir, on va juste checker. On aura peut-être un décalage à faire un moment, je pense. Si je mets ici et ici. Si je mets deux, ça donne au milieu. Ah mince. C'était pas prévu ceci. Comment je vais résoudre? Oh, en fait, c'est pas grave. En fait, on fera juste. Ça fera juste. De temps en temps, il y a des trous à des places, mais c'est pas grave. Non, non, ça va très bien aller, en fait.
C'est pas grave. J'aurais voulu quelque chose qui soit un peu symétrique, mais c'est pas grave. En fait, ce n'est pas extrêmement important si que ce ne soit pas symétrique. Ce qui est plutôt important, c'est que ça donne, ça a l'air de quelque chose de sympathique. Ok, donc là, on fera les autres jardins. Faut qu'on mette aussi la route au milieu. La grande question, c'est est-ce que si je mets ceci, par exemple, on va juste en poser. Mais c'est juste horrible. Et c'est pas très grand, j'ai l'impression. Ouais, mais j'aime pas tellement. Ouais, si on va quand même faire ça. Ça fera comme une sorte de couvert, en fait, les amis. Donc ça donne, ça fera un truc sympa. Ça fait comme un petit style couvert. Donc ça nous protège de la pluie si y en a. On va faire la même chose de ce côté. Donc vous voyez qu'on a quand même déjà liquidé pas mal de diamants juste pour ça. Voilà. Donc là, ça nous fait ceci en plus. Je crois que dans les... C'était pas ça comme barrière. C'était ceci. Donc on va reposer des jolies petites barrières. Essaye de pas... Non, on va les mettre une à une, ce sera plus sûr. Voilà. Et on va faire tout le long comme ceci. Alors dites-moi vraiment si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Alors, ici, pensez à les mettre du bon côté aussi, les barrières. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te faire dans l'autre sens? Tout petit peu plus. Parfait. Ok. Donc là, ça nous fait des petites barrières. On va faire tous les petits jardins. Et franchement, c'est juste. Franchement, je kiffe bien. Il faut encore qu'on mette un peu de la déco et il faut qu'on mette surtout des lumières pour que ça donne un meilleur aspect, hein. Donc là. Et là. Ok, bon. Il faudrait qu'on fasse la suite. Alors, on va déjà mettre les petits pots de jardin. Et comme ça, on verra ce que ça peut donner. Ce qu'on va faire, on fait une petite ellipse, les amis, et j'avance un tout petit peu, et on fera la conclusion de notre épisode, car on arrive gentiment déjà au bout. On aura, il me semble, pas fait grand-chose dans l'épisode, mais le temps défile très rapidement. Donc, les amis, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Donc, les amis, voilà à quoi va ressembler dans notre petit parc, les amis. Donc, j'ai profité encore de rajouter un peu de la lumière pour que ça donne quelque chose de vraiment propre, hein, les amis. Entre les éléments. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si vous avez des autres conseils à me donner pour que ce soit un peu plus joli. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Et on se retrouve au prochain épisode, les amis. Ciao, ciao, ciao!